Fer et Rose. Merci les filles. Rose qui est actuellement en tournée dans toute la France et qui sera le 18 juin à l'Olympia. Et je suis très fière de le dire parce que l'année dernière, elle faisait sa première télé ici, Rose. Et aujourd'hui, elle est là et elle est disque de platine. Ça me fait vraiment plaisir. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. Ben, ça va plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, des années 60 que vous n'avez pas vécu? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Énormément de musique, énormément une liberté, de bons sons et une liberté, oui. Rose? Bah moi, pour moi, c'est mes parents, c'est les disques de mes parents, c'est exactement l'époque où j'aurais voulu vivre mes 20 ans, je pense. Voilà. Johnny, vous aviez 20 ans à l'époque où Maurice Chevalier faisait encore un tabac. Je crois qu'il vous a donné un conseil pas mal que vous pourriez peut-être leur transmettre pour votre carrière. Oh ben, leur carrière, elle l'amène très bien, hein, jusqu'à maintenant. Non, Maurice Chevalier m'avait dit, si un jour tu veux faire ce métier, choisis ton entrée, choisis ta sortie, au milieu tu te démerdes et tu sortes. Ben voilà, c'est ce qu'on essaye tous de faire. C'est la meilleure chose à faire.